Bonjour, bonsoir. Alors, l'exercice n'est pas simple. Il faut choisir un film européen ou français. Alors bon, je suis allée en Italie. Matteo Garrone, Dogman, qui est un film que j'ai vu il y a quelque temps, qui me laisse un souvenir délicieux. Cinématographiquement remarquable. Les acteurs sont remarquables aussi. Il a eu un prix d'interprétation à Cannes, je crois. Cet acteur, c'est un très beau film. Voilà, je vous invite à le regarder. Mais comme il y a beaucoup de garçons dans ce film, je vous propose de regarder une série qui est faite par des femmes. Et ça, c'est une série qui s'appelle Unorthodox, qui est produite par des femmes, réalisée par une femme, qui s'appelle Maria Schrader, qui se passe dans le milieu ultra-orthodoxe. Juif, et cette jeune femme qui fait partie de ce milieu s'enfuit. C'est d'après le bouquin de Deborah Feldman, qui est une histoire vraie. Voilà, elle s'enfuit de ce milieu et elle va à Berlin. Voilà, et donc on est tout à fait dans le monde dans lequel nous sommes, contemporain, avec une actrice incroyable qui s'appelle Shira Haase, vraiment incroyable, il faut s'en souvenir, et puis je pense qu'on va la voir dans plein d'autres choses, j'espère. Les autres acteurs sont incroyables, c'est-à-dire c'est un film qui est, enfin un film, j'ai un film, c'est une série, mais comme ça dure que 4 heures, ben, ça me donne l'impression d'être un film en fait. Donc c'est tout à fait réussi, c'est un problème universel, c'est sur l'enfermement et l'accès à la liberté, c'est magnifique. Voilà, je vous invite à regarder. Et puis sinon, je vous propose de faire de la cuisine et de vous faire accompagner par ce monsieur très très fort. Voilà, il s'appelle Ottolenghi et c'est un livre qui donne des recettes végétariennes parce qu'il faut aller vers le végétarisme. Et oui, il faut y aller, même si on peut encore un peu manger de la viande, mais de façon raisonnable. Et sinon, je vous propose le livre de Fred Vargas qui s'appelle L'humanité en péril. Virons de bord toutes. Voilà, c'est un livre qu'il faut lire en ce moment. Voilà. Eh bien, à bon entendeur. Salut.